Utilisation libre de droit ? Partie 1. Quand je veux reproduire une image qui se trouve dans un article. Je vois que sur l'article, il y a des icônes open access, téléchargement gratuit. Alors, est-ce que ça veut dire que je peux reproduire mon image comme je veux ? En fait, gratuité et libre accès ne signifient pas libre de droit. Vérifiez toujours ce que les conditions du droit d'auteur vous autorisent à faire. Quand je repère une licence Creative Commons. Ah, c'est une ressource gratuite en libre accès. Donc, sans protection du droit d'auteur, je vais pouvoir en faire ce que je veux ? En fait, les licences Creative Commons sont de vrais outils juridiques. Ce sont des protections du droit d'auteur plus ouvertes, avec certaines conditions à respecter. Quand je ne vois aucune mention de droit d'auteur. Voyons par ici, dans rien, absolument aucune mention légale. Cette ressource n'est pas protégée par le droit d'auteur. Donc, est-ce qu'elle est libre ? En cas de doute, présumez toujours que la ressource est protégée par le droit d'auteur. Pour plus d'informations, consultez le guide de droit d'auteur des bibliothèques UDM.